pour créer le canon ici avec une forme bizarroïde chez moi, en plus qui est cassé au milieu. J'ai exceptionnellement du mal à créer cette forme là, ce canon, parce que il est fait à partir de cette planche qui contient des petits points, des petits cercles plutôt de cette planche, numérotés de 30 à 36. Donc il faut détacher tous ces points. Ici il y en a 8, là c'est celui que j'ai détaché, c'est ici. Les 7 points, 2, 4, 6, 7. Il faut 7 points numérotés de 30 à 36 pour créer un canon ici présent. En tout, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il faut créer 8 canons. Une fois qu'on a détaché et rassemblé les 8 petits points pour créer cette forme bizarre que j'appelle pas un canon, mais un verre, tout moche, on va dire. Et on va monter sur son support. Ici. Voilà. Pour créer un canon bizarroïde. Et ici il y a 4 roues, 2 sur chaque côté, qu'il faut détacher avec cette planche qui contient des petites boules là, qui sont ces numéro 5 ici. Donc il y en a pour 8 canons, donc il faut détacher. J'avais détaché déjà ici, donc 4 pour former. J'avais mis où? Pour former une roue du canon. Donc, au lieu d'utiliser cette petite boule numérotée de 30 à 36, j'ai eu l'idée de prendre une baguette chinoise. Ici, une baguette chinoise jetable. Qui a, si vous regardez bien, à peu près la même forme que le canon que j'ai obtenu ici. Regardez, le diamètre est presque identique. Et la forme également. Regardez. Donc du coup, je prends l'extrémité pointue et je mesure la longueur à peu près pareil. Je découpe un peu plus long, regardez le trait noir que j'ai fait sur la baguette, un peu plus long afin de, voilà, la même chose que j'ai découpé. Je découpe un peu plus long avec le trait noir ici par rapport à la taille par défaut, regardez le trait, afin d'arrondir la partie large avec du papier vert. Donc je frotte autour d'arrondir pour former ce qui ressemble vraiment à un canon sans cette forme bizarroïde. Voilà, du coup j'obtiens grâce à il faut 8 baguettes. Donc on va prendre juste un petit bout de 30 mm à peu près, entre ici la vraie taille c'est 26 mm. Donc on peut prendre à partir de 28 à 30 mm. J'ai coupé un peu plus large pour arrondir ici. Du coup, j'obtiens au final, avec cette baguette découpée et arrondie, la base large. Voilà. J'obtiens un résultat final qui est ici, avec les roues du numéro 5, 4 pièces à détacher et coller sur la base du support du canon pour former un vrai canon avec des roues. Voilà. C'est beaucoup mieux, non? Cette pièce par rapport au ver de terre là, noir. Bon, il est blanc
à la place du noir. Mais au moins la forme est mienne. Après, on ne peut pas entrer. Voilà. Du coup, j'utilise 8 baguettes comme ça. Et je les découpe tous à la même taille, à peu près entre 28 et 30 mm de long par rapport aux 26 d'origine. Voilà. Du coup, coller sur la base et on obtient le canon avec une forme un peu mieux réussie par rapport à l'original, avec des pièces, des mini pièces de 30 à 36. Donc voilà. Bon, donc il me reste encore des roues à monter. Après, c'est bon. Celui-là, par contre, j'en veux pas. Le verre, je vais le nourrir. Oh, je vais les nourrir les bétails avec le verre. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, il y a les donc, la baguette numéro 3, je crois. C'est numéro 3. Je les jette où? Là, c'est numéro. Ah, bah, c'est numéro 4. Donc, baguette diamètre 4. Donc, ce petit bout, c'est 6 ou 7 mm, je me rappelle plus. C'est quel numéro? Je crois que c'est 6 mm. Je regarde ici. En fait, il y a énormément d'erreurs sur. J'appelle pas ça un manuel de notice, d'instruction. J'appelle ça plutôt. Une page de présentation des pièces. Donc, ils ont dit de couper la pièce. Où il est? Le diamètre de 4. Là, cette pièce-là. Ah, de 2 mm. Donc, celui-là. Ah bon, c'est 2 mm celui-là. De découper 7 mm. Pour la pièce là, ici, le trou, afin de tenir sur le bateau. Donc 7 mm, je l'ai coupé et inséré. C'est le diamètre, c'est 4 mm. J'ai noté ici, j'ai découpé 4 mm sur cette baguette qui va avec le paquet. Voilà, 4 mm découpé. Il faut qu'il déborde un peu, afin d'insérer sur le bateau après, le navire après, ici, dans le trou, navire. D'insérer et la faire tenir. Voilà. Ici. Voilà, pour tenir. Je sais pas à quoi ça sert, en fait. Voilà. Donc, pour celui-là. Après, qu'est-ce que je fais? L'encre. L'encre, j'ai pris deux encres collées ensemble. Après, il y a les deux pièces qui sont collées par-dessus. Et il y a une pièce bizarroïde. Au début, je ne savais pas à quoi ça sert. La pièce 44. En plus des deux. Oui, 44. Il y a deux fois. Quatre fois, ça fait en tout. C'est celui qui est au milieu. Il se trouve au milieu. Et les deux bâtons de l'encre, deux bâtons de métal, deux pièces, qui se posent entre les deux pièces à l'intérieur. Faites attention de ne pas boucher le trou de l'encre. Du coup, je prends quelque chose de pointu pour piquer, pour qu'il ne soit pas bouché par la colle pendant que je colle. Voilà, pour créer cette partie de l'encre. Voilà. Pour l'encre, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pour cette pièce. Donc, j'ai le collé. En fait, j'ai enfoncé les deux pièces ici. Les deux pièces sur le côté. Je l'ai enfoncé à fond afin qu'il ne bouge plus. En fait, c'est une erreur. Il faut juste coller à la limite de l'encre. Il y a un petit blocage, je sais pas si on voit, un petit, c'est-à-dire il y a une petite largeur ici où il faut coller cette pièce-là à l'extérieur.
faut pas rentrer là où il y a une encoche supérieure. Il faut pas dépasser, il faut coller sur ce côté. Parce qu'après, en fait, après, il faut le coller sur le pont du bateau, comme ici, le pont du bateau. Et il y a une autre pièce qui va être entre ces deux-là, ici, à l'intérieur. Du coup, comme je l'ai enfoncé un peu trop à l'intérieur, les deux extrémités, là, j'enfonce trop dedans. Il s'empiètre sur l'emplacement de cette pièce qui devrait être, on voit le petit dessin sur le pont, voilà, c'est sa place ici. En serrant trop les deux pièces, ben, je me tombe directement sur la place de cette pièce. Donc, je peux plus le mettre à cet emplacement. Donc, je dois décaler du coup, comme ici. Parce que lui, normalement, il devrait être à l'extérieur. Et lui, à l'intérieur de cette pièce. Voilà, c'est mon erreur ici. Comme ça, vous saurez qu'il ne faut pas faire cette erreur. Après, il y a le problème de cette pièce qui est la fenêtre du cabinet. Attends, on ne voit pas. Voilà. Donc, il y a trois pièces en bas, deux pièces en haut. Les pièces sont en losange. C'est pas carré, c'est pas rectangle. Il est un peu trapèze, la forme. Du coup, ça pose problème pour coller. Donc, le résultat, c'est ça. Donc, la petite pièce tout au sommet et la pièce un peu plus large en bas. Si on regarde bien, cette côté-là n'a pas la même longueur que ce côté. Donc, faites attention. Quand on détache, faites attention aux deux côtés qui n'est pas identique. Ici, il y a les trois petites pièces qui s'assuient. Donc, j'ai collé. Je fais comme ça, en fait. Je prends cette pièce en haut. Je colle cette pièce dessus. Après, je prends cette pièce en bas, la grande pièce. Je colle en bas, en plein milieu de cette partie. Comme ça. Après, moi, je colle les deux autres pièces sur le côté. Mais avant de coller, ce que je fais, regardez bien. J'ai poli les deux côtés comme c'est tout droit. Et ça, c'est en losange, en trapèze un peu. Du coup, je polis les deux côtés de la pièce pour former en biais. Voilà. Pour le mettre en biais. Donc, je prends du papier vert. Du papier vert, j'attrape cette pièce et je polis en biais pour qu'il ne reste pas droit. Voilà, je polis les deux côtés de toutes les fenêtres sur les deux côtés. Voilà, comme ça, au lieu d'être droit, si c'est droit, on peut pas coller comme ça. Donc, pareil, ils sont polis sur les deux côtés. Ici et ici, les deux pièces, afin de, comme on va pas coller comme ça tout droit, c'est pas tout droit, il est en biais aussi, il est collé comme ça. Du coup, en polissant les deux côtés comme ça permet de coller un peu plus proche les pièces. Ah, c'est à l'envers, comme ça. Voilà. Du coup, ils sont polis sur les côtés. Celui-là aussi, pareil. Voilà. Les deux côtés sont polis. Afin de rassembler comme ça. Donc, c'est pas comme ça, tout droit. C'est pas 45 ou 90 degrés, mais plus ouvert. Voilà. Au final, on obtient ça.
parce que tout ça doit toucher le navire pour pouvoir le coller. C'est ce côté. Donc il faut polir les deux côtés aussi. Voilà, on obtient ça à la fin. Si je prends le pont, la coque, qui est comme ça, voilà. C'est cette pièce de la coque. Donc ça colle dessus. On voit le contour de la forme et on colle dessus. Voilà. Voilà pour cette partie. Sinon, des bizarroïdes du manuel, on va dire. Il y a beaucoup de bizarroïdes. Je vais voilà, par exemple, les pièces ici, tous les numéros, tous les emplacements, il y a plein d'erreurs sur les petits bouts là, pour les cordes, je crois. Les pièces B24, B23. B23 ici, c'est normalement c'est B42, je pense. Il y a une erreur quelque part. Non, en fait, il n'y a rien qui correspond à ce qu'il raconte dans le manuel. Il y a plein d'erreurs, il y a plein de numéros qui sont manquants ou qui sont fausses. Donc, les pièces 23, B23, il y a trois trous. Et il y a deux pièces en tout. Donc, c'est pour ici. Et ici, il y a cinq trous. C'est la pièce 24. B24, il a cinq trous. C'est à l'intérieur du navire, de la coque. Alors que celui-là, il a mis B23. Il ne peut pas avoir B23 puisque je l'ai ajouté déjà ici. Il y a deux pièces seulement B23. Donc ici le quatrième, le troisième, je ne sais pas où il le sort. Par contre, chez les pièces 42, 41, 42, qui n'est annoncé nulle part sur le manuel. C'est cette pièce-là. 42, qui a trois trous aussi, pareil. Mais la forme est légèrement différente. Voilà. Il est plus petit que le B23, avec trois trous, mais plus petit. Donc, je pense, c'est pour le... Donc, c'est le numéro 42. C'est pour l'extérieur de la coque avec trois trous. Et pour l'extérieur de la coque. Donc ici c'est faux, c'est pas B23, c'est 42, cette pièce. 42B. Voilà, pour l'extérieur. Voilà, il y a cette erreur. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a sur le pont, le trou là. Pour la baguette de diamètre 2, en fait, ça ne rentre pas. Et le trou est très serré, très petit. Ainsi que le gros trou pour le grand mât principal. Il est très grand. Ça rentre pas. Ce que je fais, je prends un petit couteau ou quelque chose de coupante légèrement sur le côté. Et je le fais agrandir le trou. Ici, comme ça. J'agrandis le trou. Pas trop. Il faut qu'il soit assez serré pour la baguette. Afin que la baguette puisse rentrer. Mais assez serré. Comme ça, pour que ça évite de bouger trop à l'intérieur. Sauf que le problème, c'est sur le bateau. Attendez. Sur le bateau, attendez. Voilà, sur le bateau. Normalement, c'est ça. Donc, on insère cette pièce, le pont, avec un mini trou de 2 mm. Donc, il fait moins de 2 mm, il fait 1,5 mm. Donc, en insérant ça, on voit qu'il y a une fente pour recevoir la baguette de 2 mm. Une fois qu'on l'insère dedans. Sauf qu'il y a un décalage de 2 à 3 mm. Ça fait que
la baguette ne descendra jamais jusqu'au creux. Il sera bloqué dès la première millimètre dépassée. Parce que la fente est décalée par rapport au trou. Ici. De 2-3 mm. Donc, du coup, ça ne rentre pas. Donc, j'ai dû découper. J'ai dû découper. Parce que le trou, c'est ici. À ici. Attends, je vais ouvrir ça. Voilà. Le trou ici, normalement, par défaut, il est de ici à ici. Sauf que la baguette de 2 mm, lui, il est rentré ici. Donc, il ne peut pas descendre. Donc, j'ai dû découper un bout ici. Du coup, le trou est plus large. Au lieu de 2 mm, il est beaucoup plus large parce qu'il est décalé. J'ai dû couper cette partie pour pouvoir faire rentrer la baguette et s'enfoncer. Et s'enfoncer dans le creux ici. Je ne sais pas si on voit. Voilà. C'est comme ça seulement que j'ai pu faire rentrer la baguette un peu plus. Et après, je crois qu'il faut couper à 9 mm. 9 ou 7 mm. Je ne me rappelle plus. Que je regarde la longueur. Numéro 9. Ah, c'est 26. Donc, il faut découper 26 mm de haut. Parce qu'après, il va avoir le pont suivant qui va bloquer la baguette ici. Le pont suivant, il est parti pour mon pont. Voilà. Oui. Voilà. Donc, 26 mm. Donc, j'ai coupé 30 mm parce que comme il y a la partie qui est dans le trou. Donc, ça fait à peu près 28, 29, 30 mm à peu près. Parce que le pont là, il va venir ici. Et il va rester bloqué à cause de ça. Donc, j'avais déjà tracé. En fait, c'est l'autre sens. Il faut couper ici. J'avais tracé un trou déjà. Un trait. Voilà. Ça rentre comme ça. Je vais rentrer jusqu'au creux et il faut couper à 26 mm la longueur exacte qu'il a donné, mais je fais 30 mm à peu près afin qu'il ne soit pas bloqué par le pont. Donc il faut couper sous le pont. Donc pour moi 30 mm c'est assez bon. Si je regarde exactement combien, 30 mm, oui c'est ça, il demande 26, en fait c'est 30 mm, voilà cette partie là. Et pareil pour le gros trou, le grand mât principal, le trou il est très serré, c'est pour 5 mm de diamètre je crois. J'ai dû élargir le trou, je crois il ne fait moins de 5 mm. Du coup, ça rentre pas. Là, 5 mm, la baguette. Ça rentre pas. Du coup, j'ai creusé légèrement afin qu'il puisse rentrer. Et celui-là, ça va par contre. La fente au fond, ici, arrive assez bien par rapport à la baguette, au trou. Du coup, il peut rentrer correctement dans le trou et dans la fente dans la bonne position. Voilà. Et ici la baguette devrait être 315 mm et la baguette fait maximum, la taille maximum 300. Donc il y a une erreur quelque part, soit c'est moi qui est bête, soit il s'est gouré de à tous les niveaux. La baguette fait 300 mm qui nous a laissé dans le paquet et dit qu'il faut une baguette de 315 mm avec un diamètre de 5. Donc c'est celui-là, c'est la seule baguette à 5 mm, c'est lui. Donc voilà, c'est illogique quand même entre ce qui a écrit dans le manuel et ce qu'il nous propose comme matériel et les numéros qui n'indiquent. Donc il y a plein d'erreurs comme ça.
J'essaie de. Ah, je fais une erreur. C'est lui. Je me suis trompé de côté. Ah, c'est lui. Et pour la table, le cabinet plutôt. Ah, je vais coller toutes les pièces d'abord pour le recoller plus facilement. Donc, ça touche pas le bas. C'est ça le cabinet. Cette pièce. Avec 2, 4, 5 trous pour le pont de devant et la pièce un peu plus petite pour la partie proche du mât principal. Voilà. Pour l'arrière du bateau, du coup j'ai collé cette pièce là directement sur la pièce avec la décoration au laser, comme ça pour moi ça sera plus facile de recoller sur l'arrière du navire comme ici posé, voilà, comme ça c'est tout. À l'arrière avec la pièce Quentin, je crois, collée, et là j'ai juste qu'à positionner comme ça pour coller la pièce arrière avec des coups. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Je pense c'est à peu près tout. Ah, il y a des pliers que je vais démonter pour attacher les cordes dessus. Les pliers. Voilà. Il y en a deux de 5 mm ou 6 mm. 5 mm. Et il y a ceux de 4 mm. Pour les cordes.